Je ne me sens pas du tout sous surveillance parce que cette armée algérienne joue toujours un rôle. Tant que cette société ne se structure pas, tant qu'il n'y a pas des partis représentatifs, cette armée jouera le rôle qui est joué. Et la révolte, dans cette situation, elle avance difficile. C'est parce que on lui fait supporter les erreurs du politique, telles que les événements de 88, que l'armée n'oublie pas. L'armée voulait éviter à cette Algérie l'effusion de sang. Et je puis dire que l'armée algérienne est une armée républicaine qui n'attend que le rétablissement de la situation pour la sécurité de la caserne. Et ça, j'en suis convaincu.